On est où? Bah, Mathias. Ah, ah, bienvenue chez moi les gars. Ça va? Ça va et toi, tranquille? Ouais, la caméraman, regarde, check la caméra aussi. Attends, oh, voilà. Bon les gars, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de FFW, Mathias, trois personnes. Tiens, fais ça comme ça. Mon voilà, son Insta les gars, mais bon, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Oh si, si, il faut. Bon, il faut alors, bon bah alors, vas-y, alors explique-toi. T'es qui frère, t'es qui? Alors moi, je fais des vidéos sur internet, hein, voilà, sur le net, où je fais du vélo, des figures, tout ça, la backlife, quoi, la backlife comme on dit. Et du coup, bah vous êtes là dans ma chambre de backlifer. Pas du tout, ça se voit pas, voilà. Non, on dirait un putain d'hypiste. On est on est dans ta chambre, mais avec ta collection de sapes, sneakers. Et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui, pour que tu nous présentes ta petite collection, raconter s'il y a une petite histoire derrière, pour que tu nous partages tout ça. Et bah écoute, c'est parti, hein. C'est parti l'équipe. Du coup, moi, qu'est-ce qui t'a lancé dans la sneaker? C'était carrément en fait, je kiffais grave regarder les gens dans la rue en fait. Normalement, bah, tu regardes devant toi et tout. Moi, je suis toujours quelqu'un qui regarde un peu vers le bas et du coup, j'ai toujours regardé les chaussures des gens. Et je voyais un peu, tu vois, ça commençait à venir en France en mode les. Je voyais Nike et tout, je voyais des paires qui, tu sais, qui ressortaient, genre du orange, du jaune et tout. Je fais quoi, tu sais, moi j'avais une paire toute simple, tu vois. Je fais oh, moi aussi je veux ça, et tu vois, mais le problème c'est que quand tu commences après, donc je commence, tu vois, je me dis, bah, j'en veux une petite. Et la première là, la première que j'avais, je l'ai vendue, c'était une Jordan 1 mid iridescente, genre elle réfléchissait. Et là. Oh, je m'en souviens, frère, quand tu l'avais acheté, ouais, sur StockX. Ouais, d'où à l'époque, ouais, tu m'avais envoyé un message, je m'en souviens. Et du coup, la vraie première là que j'ai là d'ici, c'est celle-là. Hein. La Fearless. Ouais, j'avais pris la Fearless et. Elle est cool, bon j'ai pas... Tu l'as beaucoup rock quand même. J'ai beaucoup rock, bah là elle a plus de 2 ans et demi, hein. Elle a plus de 2 ans et demi, ça fait voilà. Parlons un peu de prix, t'as acheté ça combien? Et où? C'est la StockX, okay. C'est la StockX et... Toi t'es StockX et Vinted, enfin, tu t'arrêtes jamais. Ah ouais, c'est fou StockX Vinted. Je me fais pas chier gros. Elle est belle. Elle est belle, c'est juste qu'il faudra la nettoyer un petit peu, mais tu vois donc... Mais là franchement tu sais, quand je mets mes pieds intérieurs, le sac les plis, ils se voient plus, hein. Quand je l'avais acheté, je me rappelle, tu m'avais dit qu'elle se pliait de ouf. Ouais. Et elle a mis très longtemps à se plier et faut savoir, je la porte au moins une fois par semaine. Et tu la portes avec le petit avec tag. Le petit tag et tout, okay, ouais. Ça marche. Mais du coup, ta première paire, et alors qu'est-ce qui t'a donné envie du coup d'acheter cette paire en particulier? Pourquoi celle-là? Parce que en fait j'aime beaucoup le rouge et le cuir verni m'a de ouf hypé. Et en termes de prix, je m'étais dit je voulais mettre 300 et tout, okay. Et du coup ça c'était un tout petit peu plus. Mais ça rentrait. Tu l'avais cherché ou tu l'avais vu En fait je me balade un peu, tu vois, genre, ouais. En fait moi je suis pas le mec qui a une paire en tête et d'accord, genre, okay, ouais. Je me balade, genre là par exemple la prochaine je regarde beaucoup les Air Max tout ça en ce moment, ouais. Et j'ai eu une... Non, même pas. Non, tu vois, je suis pas dans... Tu vois, sinon je l'aurais cop. J'ai même pas participé. Ouais. Je fais plus. Et mais du coup maintenant, en fait, genre, j'aime bien les petites paires. Genre, les paires à 200 euros. Ouais. Putain, on disait pareil, toi. T'as raison. On disait exactement. Les paires ça. À 200 euros, là, il y a la verte et violette, la Air Max, je sais plus quoi, là. Ah ouais, putain, elle est hyper fraîche. Et bah, Air Max One. Ouais, Air Max One, verte et violette, là, qui sort. Bah, là, je vais carrément me la prendre. Ouais. Elle est trop, trop fraîche. Et bah, voilà, donc ça, c'était. D'accord, ok. Ok, et bah, ça tu marche. Vois, bah, maintenant, j'ai la pattern prête aussi. Et tu vois, pareil. Si. T'en as pas qu'une ça, t'en as combien Mathias? Ah t'en as plusieurs? Ouais, ils sont là. Mais pour rock ou? Non. Ah d'accord, que tu les gardes de côté, d'accord, ouais. Ok. C'est pour les mamies, les papis, c'est ça. Moi j'en ai 4. J'ai 2,43, 2,42,5. D'accord. Mais là je l'ai mise un peu dans la... Mais c'est incassable, c'est vraiment, vous voulez une paire. J'ai plein de potes qui roulent avec en vélo. C'est avec la patente? Ah ouais? Ah c'est putain. Incassable. C'est franchement coup de pédale, coup de pneu de ce et que pareil, tu veux. Montre un petit peu. Là il y a juste. Mais regarde, c'est le cuir comme ça, c'est incassable. Ouais, non, effectivement. Et puis même, ça, on a l'impression que ça a l'air de bien se nettoyer quand même. Ah bah ça, c'est coup d'éponge. Ouais, c'est ça. Et regarde ici. Et même le fait que ce soit brillant comme ça. Bah, du coup, je vais avec ça en soirée, par exemple. Tu peux pas. Bah, par exemple, ça, c'est une tache d'alcool dessus. Alors que ça. Sur laquelle? La curie? Ah, la curie, bah une tache d'alcool, c'est fini. On m'a dit, la prends pas, elle se salit, parce que quand même c'est cher. Ouais, tu m'étonnes. Et bah ça tient encore mieux. Carrément. Non mais attends frère, c'est bizarre parce que j'ai vraiment un de mes meilleurs potes qui là frère, elle est défoncée elle la paire. Elle est dans l'eau de la mer et tout ce que tu veux. Ah ouais. Dans le sable, t'as bien vu les stories l'année dernière dans l'été, le sable, tout, elle est finie dans soirée influenceur, alcool. Et t'as clean ça comment? Je ne l'ai jamais nettoyé là. Ah tu l'as jamais nettoyé? Quoi? Non, juste avant de vous arriver, j'ai juste mis un coup devant parce que c'était des petites traces. Non, mais j'ai le dent. Ah oui. Tu vois, ça se voit, je le rends quand même. Bah écoute. Et juste ce trait là, c'est fait couper. En plus, tu vois, je trouve que la curie, c'est une paire, plus elle vieillit, plus elle devient belle. C'est vrai. Parce que le dent, il s'éclaircit un peu. Effectivement, effectivement. Je trouve qu'elle vieillit très bien. Je retrouve toutes mes paires. Il y en a, ça se voit plus parce qu'il y en a, elles sont irréparables. Genre celle-là.
content de l'avoir parce que c'est celle du coup des 30 ans de coup. Mais elle, tu vois, là, elle s'est pris des petits coups, mais ça, c'est rattrapable, hein, mais il faut que je le fasse. C'est quoi, mais... c'est l'Air Max Premium C'est celle pour les 30 ans, ouais, de... c'est ça, et elles sont franchement très belles, genre full c'est beige, efficace, hein. Beige, gros, full sale, c'est trop beau. Et ils vont sortir celle-là en mode genre J4, mais je vais la prendre. Ouais, elle va. Ouais, très douce. Bon, on continue l'étagère là-bas parce qu'il reste une Jordan 1. Et je pense pour moi c'est ma préférée dans tes paires. Quoi ? Ouais. Celle qui reste. Ah ouais. Ouais, ouais, franchement, c'est, ah, je trouve c'est celle que je préfère. Alors ça, ah ouais, c'est ma deuxième Jordan 1 du coup. Ouais. C'est je l'ai fait venir d'Angleterre celle-là et elle est très rare en France. Je l'ai vue. Ça quand même, très peu. Bah je l'ai vue une fois, c'est moi. Je crois que je l'ai vue que chez Clockers. Ouais, je l'ai vue une fois au pied. Ah ouais ? Sur Paname, ouais, mais une fois. Bah je l'ai vue et vous savez quoi ? Je l'ai vu une fois au pied dans Spider-Man. C'est vrai! Dans oui, effectivement! Il a oui, effectivement! La, effectivement! J'étais trop fier dans la salle parce que je me suis bas au milieu du film. J'ai fait oh la vidéo, c'est ma paire! Tout le monde fait chut! Oh, elle fait oh, le matin! Effectivement! Putain, frère! Mais vraiment, ta paire là, elle a mangé un peu. Hein. Ah bah là, celle-là, elle a rock, mais c'est parce là, que je l'ai acheté d'occasion. Ah oui, c'est oui, bien. Oui, ça reste pour l'environnement. Vinted? Ouais, Vinted, ouais, et quand même occasion 320€. Et je crois que l'autre, ce pied là il est un peu mort, mais l'autre pied je crois qu'il est plus clean. Le mec il a aucun pied. Ouais, c'est mal, l'autre pied il est, je crois qu'il est un peu plus clean. Toi tu fais pas clean du tout tes paires genre ah, rien du tout. Je l'ai. C'est une autre façon de porter les paires hein. Bah franchement, vu que je les mets en expo et tout, t'as vu, je rentre. Genre, ouais, tu les mets, ouais. Et puis quand je vois qu'elles ont un peu de traces. Moi, t'essayes de clean en vie. Mais franchement, d'accord. Moi, je nettoie que la semaine et basta quoi. Notre étagère où tu nous montres quand même une petite veste. Deux, trois petites vestes. Ok, est-ce qu'on fait un petit combo? Une veste que j'aime beaucoup porter. Voilà, c'est avec ça. Avec la patente. Vas-y. Avec la patente. Vas-y. Tiens, ça. Regarde. Avec la patente, j'aime beaucoup porter cette veste. Que j'adore. La. No London. Voilà, c'est un coup de chat que je l'ai eu, franchement. C'est une dinguerie. Déjà, regarde la lourdeur de la veste, tu vois que c'est de la qualité. Putain, elle est lourde. Elle doit peser 1,5 kg, gros, vraiment. Ah ouais. Mais même, c'est quoi c'est... Ça, donc, ça, c'est une marque anglaise qui marche beaucoup au drop et qui font beaucoup de produits en mode paillettes comme ça, en mode tu m'as vu, tu vois. Et j'aime beaucoup. Il y a là les détails en vrai. Il y a là les détails. Ils font des... Et ça, c'est donc du coup un français qui l'a designé. Et c'est parti en 20 secondes. Et donc, du coup, 220€ prix de vente. Ouais. 220€ prix de vente. Et tu l'as eu à combien ? Bah, je l'ai eu pour. Ah, d'accord, tu l'as eu à 200. C'était dimanche, ça sortait. Ils ont... En fait, ils mettent des stories où ça sort d'un coup. Et je d'accord, sais pas okay. comment j'ai réussi à l'avoir. Et ça match super bien avec. Ouais, et je mets. Si je mets ça et ça, je mets par exemple un pantalon Ralph Lauren, genre avec les logos. Je vais nettoyer les noirs. Et voilà. Sinon, en veste, j'ai aussi celle-là, c'est la Burberry. Putain. Veste Burberry, juste la capuche qui se voit. Ouais, c'est bien parce que du coup, elle est simple. Ouais, c'est une veste simple. Genre, du coup, c'est simple et du coup, tu mets la capuche. T'as acheté ça où ? Je l'ai acheté au Burberry de. Là, du Val d'Europe à côté là. D'accord, okay. À la Vallée Village. Okay. Elle était plus dispo un peu partout, là, ils l'ont ressorti un peu, mais ils l'avaient là-bas. Ça vaut combien ça ? La qualité a l'air bonne, hein. Ça vaut 200 aussi, hein, je crois. Okay. Ça vaut 500 normalement et je l'ai à 200 avec Ouais. 260. Sur Burberry, on est sur une marque de luxe, hein. C'est bah, en gros, Burberry, c'est ma marque de luxe préférée. D'accord. Burberry en marque de luxe préférée, en marque un peu genre street tout ça suprême. Donc en gros quand ils ont sorti la collab, j'étais comme un fou sauf que j'ai rien cop. Ouais, je voulais la veste mais on connaît déjà la réponse. On a pas eu. Je passe des heures à chercher des marques tu vois sur Instagram et je sors des trucs. Ça par exemple, ça vient de Croatie, cette veste. Genre tu vois je te sors des trucs. C'est des vrais trucs. Parce que là l'avantage les gars c'est que ça il le verra jamais sur quelqu'un d'autre en ce moment. Ouf. Et ça c'est ouf, ouf. Ça va arriver en France je pense mais elle est super belle, franchement super belle, sa taille super bien. Et la sorte de avant quand je l'ai prise ils en avaient une orange, une verte, une noire. Maintenant ils viennent de la sortir en beige, en bleu foncé. Putain les gars je kiffe sa mère. Ouais, franchement même ça, moi ça vaut 160 si je me trompe. D'accord. Hors de prix frère. Franchement je c'est une veste quoi, c'est une veste typée, enfin tu mets ça. C'est un sort de manteau ouais, sans manche. Ça... Mais en fait il est grave gros du coup genre avec un t-shirt en dessous ou okay. un t-shirt un bon manche longue. Ça... Ouais, d'accord. Et ça et franchement je l'ai ah ouais, testé vraiment ouais. bonne. Ouais, ouais. Et, la qualité, et ça vous voyez gars, il y a deux avantages pour moi, c'est que souvent du coup tu vois très peu de gens avec. Parce que c'est... Bah ouais. Et le deuxième truc c'est que c'est souvent un peu meilleur pour l'environnement que les marques ont l'habitude de voir. Parce qu'ils font pas des 3 milliards d'exemplaires. Genre ça c'est des mecs qui en gros tu commandes, ils font le truc quand tu commandes. En plus ils raison rapide et tout de Croatie.
Et voilà, et le nom c'est Blot Neige, B-O-L-T-N-E-J. Si je me trompe pas, je crois que c'est ça leur nom. Ok. Et en dernière veste que je peux vous montrer, c'est celle-là, je suis content de l'avoir eue. Celle-là, je la kiffe trop. Elle est noire et blanche, elle est trop cool. Ouais. Et ça, c'est une. C'est une quoi déjà ça? Putain, tout le monde se l'arrachait celle-là, elle est sortie en noir et en bleu. Et une fois, je vois beaucoup de gens avec, hein, mais il y a un modèle similaire sur AliExpress que tous les voilà, c'est ça. Et bah moi j'ai réussi à avoir la vraie et qui était très très dur à avoir en noir. Est-ce qu'en bleu était dispo? Et en fait, bah ça c'est genre du tufting et tout, c'est stylé. Et là, je sais plus c'est quoi la marque, mais celle-là elle est 220 euros aussi, je crois. Ça tombe toujours entre les 150 et 200, voilà. Et celle-là était très très dur à avoir. Et je sais pas, je suis retourné sur leur site un jour et elle était dispo. Genre, oh, c'est cool. 30 exemplaires, je sais pas si la voir. Donc ça c'est très très belle. C'est bien parce que vous voyez, il attend d'avoir son item et tout, il le recherche. C'est ça. Ça fait plaisir, tu vois, il aime ses pièces. Bah il avait dit, il aimait bien rechercher, passer du temps à chercher ça. Je préfère attendre et avoir le truc que j'ai. Okay. Il y aura une dernière veste que je vous montrerai tout à l'heure. Ça marche. Bon, on continue la sneaker. Oh, continue la sneaker. Ah bah celle-là, vous l'avez vu passer. On va la présenter. Oh, regarde le stylo, le feutre là, le pinceau. Ouais, c'est franchement. Le crayon. Bon, on va porter en vidéo, mais c'est vraiment une pépite cette paire. Voilà. Et ça, pareil, c'est une exclu US, donc ouais. Et du coup, il a le combo en vrai avec Air Max One, pardon. Air Max One Pata Black. Oh, t'avais que la Black, je crois que t'avais la bleue. Même moi, ouais. Black. Ouais, mais non, c'est que ça. Pareil là aussi. Bah, de toute façon, je les rock, hein, mais ça, c'est un petit peu de terre par-dessus. Mais regarde cette beauté. Franchement, ouais, elle est belle, celle-là, mais c'est pas vrai. Il y a la blanche qui sort, hein. Ça arrive. C'est vrai, la blanche a été annoncée, ouais. Mais... Après, faut pas que ça tue non plus la paire, tu vois. À force faut pas qu'il y en ait trop, mais je pense qu'on va s'arrêter à la fin. Mais quand je l'ai au pied, celle-là, mais quoi, je me sens bien, gros. Elle est très très douce. Ouais, moi je l'ai vendue. J'ai vendu celle que j'avais. Mais pas pour rien. Pas pour rien, c'est sûr. Tiens, est-ce que je peux vous montrer un petit accessoire? Bien sûr, vas-y. Il a un vécu, je pense que tu te rappelles. Cet accessoire. Ton bandana suprême. Bien sûr, on s'en souvient. Mais ce bandana suprême. C'est un vrai? Réfléchissant, en vrai. New Era, réfléchissant. Écoute-moi bien. Putain, ce bandana, Dieu sait que c'est vrai. Je crois qu'il a 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. En vrai, c'est un peu le premier item que t'as acheté, non? C'est le premier item que j'ai acheté. Et en gros, pour faire du vélo, qui allait rouge avec mon vélo, parce que j'avais fait un vélo en mode un peu suprême. Et c'est le tout début, et en gros je pouvais plus vivre sans ce truc. C'est-à-dire qu'il y avait du soleil, j'avais la trace du bandeau parce que j'avais ça toujours, parce qu'en fait je mettais mes cheveux en arrière, c'était pour tenir mes cheveux quand je faisais du vélo. Et ce bandana, c'est comme par exemple les mecs au tennis qui ont des trucs et tout, bah ça c'était. Il avait tout le temps, je vous dis les gars, on le croisait partout, il avait tout le temps. Voilà, donc on passe à une G4. Vas-y. T'as pas fait G4 encore. Celle-là, bon. Celle-là, tu l'as payé combien, Mathias? 0€. Ah là 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 là, ça c'est beau. Point payé, et heureusement parce que c'est la paire qui se salit le plus au monde, j'ai mis deux fois. Ah ouais. C'est une catastrophe. Bon, c'était un modèle d'expo dans un magasin, donc du coup il était déjà un petit peu rock parce qu'en gros je suis sponsor par un magasin. Enfin, je travaille, mon patron c'est Richard Orlinski, du coup il a ouvert un nouveau magasin, j'en ai fait la promo et j'ai choisi une paire et j'ai pris celle-là qui était du coup aussi en expo, un pied. Par contre au soleil. Ah ouais, bah ouais, en été frère. Au soleil les gars. Au-dessus. Paire préférée. Ça fait longtemps. Paire préférée de ta collection, c'est celle-là. Paire préférée les gars. Ok, d'accord. Je la mets 24 heures sur 25. Ah ouais? Ah ouais, ouais, c'est. Ça fait beaucoup. Je dors avec limite. Hein. Et je lui ai foutu un petit custom. Ah ouais? Regarde. Je lui ai foutu un tag Nike Air qui vient de la Jordan 4. Jordan 4. Ah oui, FireRed. FireRed. Ah ouais, ouais, effectivement. Il va super bien avec et ça fait. Ça doit faire un an que je l'ai mis dessus et Elle reste clean quand même si c'est la paire que tu portes le plus. Ah, c'est la paire que je porte le plus, gros. C'est. Et acheter Dunk et acheter Dunk. C'est là, par hasard. Mais ça, c'est Dunk SB, non? Ouais, par un gros hasard. J'ai fait, putain, j'ai eu un. Bah, j'ai eu de l'argent en moins sur mon compte, je fais c'est quoi et tout. Puis je participe sans faire exprès. Et bah, la fille d'homme, je regarde pas. Elle est trop belle. Tu l'avais participé sans faire exprès? Sans, ouais, je m'en foutais. D'accord. Tu vois. Et elle est belle, elle est franchement belle. Et elle est quali. Elle est quali. Genre, c'est de la. C'est pareil, c'est un peu du. C'est Dunk SB, ils sont c'est fous. Du din avec là un peu du nouvelle matière, genre un peu. Je sais pas, du. Ouais. Je sais pas. Et ils nous sortent des trucs gros, mais des fois, mais tu sais, mais ça coûte ça, tu l'as moins de 200 balles, mais c'est dingue. Ça, tu. T'es mal les gros, c'est Nike, c'est Nike. Non, mais même effectivement, sur le devant, c'est pas du cuir comme sur les autres. Et ça se plie pas. Alors, ça, ça, c'est Dunk SB. Dunk SB, c'est toujours là, toujours au rendez-vous. Toujours, ouais, non, franchement, c'est beau. Michigan. Petit custom, c'est crème et tout. Ça, je l'ai acheté chez Larry Destock. Voilà, il m'avait dit de passer et tout, il m'a fait un petit price dessus, je l'ai eu à 300.
Parce que j'avais fait un petit truc dans son magasin avec des photos. Ouais, on a vu passer ça, ouais. Et puis voilà quoi, c'est cette paire, les gars, avec les lacets beige. Tu les lacets beige, t'as acheté ça où à part à côté Slicklace, je crois, tu sais, le truc où. Et d'ailleurs, j'ai des lacets que j'avais acheté pour ma off-white que j'ai jamais retrouvé. Ouais. Les lacets blancs qui passent dans tous les sens. Moi, j'ai en vert et tout, et je sais pas, j'ai pas retrouvé. Faut que je les retrouve depuis. Ouais. Et bah ça, les gars, elle a franchement. Elle a 500 heures de match, elle a 500 heures de rock. Putain, mais c'est ouf, frère, attends, mais... Ouais, mais je comprends pas comment ses pères restent en aussi bon état, genre. Elle a 500 heures de rock. Quand tu nous caches des choses, on n'a pas acheté 14, frère. Écoute-moi, elle a genre 25 soirées. Mais quand je vous dis soirée, genre là, c'est par contre, c'est... gros, tu marches en volant ou c'est comment? Parce que moi, mes pères, elles se défoncent. C'est comme le TikTok. Celle-là, franchement, moi, c'est un coup de cœur de ouf. Ça, c'est ma dernière... Regarde, c'est Nike. Elle est belle, hein. C'est le N de Nike. Non, c'est New Balance, les gars. Et acheté. Combien? Acheté. Rapport qualité prix, je l'ai acheté 200... Sur le... Ouais, sur 220... Sur Vinted aussi. Elle est super belle. Ouais, elle est très très belle. Moi, j'adore cette paire. Elle a une journée de rock et une soirée. Voilà. J'ai mis une journée et j'ai mis une soirée influenceur. En plus, New Balance, du coup, comme t'as dit, c'est hyper confortable. C'est des chaussons, les gars. Mais c'est incroyable, c'est... Ouais. Et la semelle, là en fait c'est parce que là je suis allé à une soirée, du coup il y avait du sol blanc, mais je suis rentré de ma journée de travail. La semelle, t'as l'impression qu'elle était neuve. Avait... En fait c'est du caoutchouc qui accroche rien. Donc c'est. Non, franchement c'est propre. D'accord. J'adore. Donc tu disais que c'était une paire qui se salit très très vite. Ouais. Ça, t'as acheté ça au début aussi, ça fait un moment que tu l'as. Celle-là ça fait ça fait un an et demi. Ouais, celle-là elle a bien bougé. Celle-là, bah je la mets au moins une fois par. Ouf. Une fois toutes les deux semaines. Non, une fois par semaine, ouais. Fois par semaine, c'est là. En vrai, elle reste très clean, je trouve. Ouais, regarde le dessous. Ouais, non, elle a mangé. On va finir par le meilleur pour la fin. Ah, voilà. Voilà, je me suis que j'ai cop. Et c'est beau, hein. Et c'est la numéro 25. Franchement, c'est fou parce que autour de nous, quand même, on connaît un peu de monde. Mais tout le monde a cop presque parce qu'ils avaient balancé des accès à tout le monde. Sauf nous, bien sûr. Bonjour. Non, en tout cas. Et bah, ça. Qu'est-ce que t'en penses de. Tiens, parce qu'on en parlait aussi justement. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, n'achetez pas. Pourquoi dis-nous tout? Alors, tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Dis-moi. C'est une dinguerie. Regarde. Alors, point de colle de partout. Là, ça sort, là, il s'est pas fait à l'intérieur. Ah putain, il a le même problème que moi, frère. Bah, c'est ouf, hein. C'est la première fois de ma vie, je vois un mec qui a le même problème que moi. Ouais, gros, t'es le premier que je rencontre avec une Nike off-white qui a le même problème que moi. Je te sers vraiment. Bah écoute, sur internet, ça tente de ouf. Les coutures, elles sont faites en dehors parce qu'en fait, ils les ont fait un peu en la va-vite. Et l'avant, ça fait une tête de canard. Ça se replie. Ouais, comme ASB par là même. Ça se replie et là, cette matière là, les gars, que ça soit un oiseau qui te chie dessus. Ouais, c'est impossible à nettoyer. C'est impossible. C'est quoi comme matière? Je sais pas, mais ils me l'avaient dit, ouais. C'est une nouvelle matière qu'ils ont créé, ça, juste pour ça. Par contre, l'arrière reste très propre. C'est l'arrière, et regarde, l'arrière, gros, tu peux rien faire. Regarde comment il est dur. Et du coup, genre, il se plie pas là. Il vient de frapper sa paire. Et moi, ce que je kiffais, c'était la smell verte. Et ça, par contre, ça c'est dingue. Hein. Truc à trous, moi j'ai kiffé. Truc à trous, là j'ai. Et la boîte de cette paire. Ah ouais, bah la boîte, elle est belle. Hein. Oh, ouais. Même le papier, non, franchement, là. Pour moi, c'est la plus belle de toutes les boîtes de Nike. Ah ouais? Ah ouais. Ok, non, là pour moi, tu vas un peu loin, mais c'est une belle boîte. Ah si, pour moi, si, frère. Ah, j'ai kiffé le système à trous comme ça en mode. Parce que tu vois, les off-white quand ils vendent leurs paires. Non, moi je préfère la boîte de la J4. J4 off-white, je trouve que la boîte est plus belle. La boîte de l'Arge Jordan One of White, tu sais, avec le trou dessus, ça pareil. Ça pareil, c'est un concept, moi j'aime bien. Bon, je vous dis, les gars, Nike, ils m'ont envoyé une paire de. La nouvelle paire là avec Off-White, là, l'Air Max One Louis Vuitton. Non, c'est faux. Ils m'ont envoyé le rouge. Oh, il y a du Gucci. L'homme est Gucciisé. Il y a du Gucci. Il y a quoi dedans? Bah là, il n'y a plus rien parce qu'il est sur moi, quoi. Ah, c'est la ceinture. Vas-y, lève le t-shirt. Parle-nous un peu de pantalon, mon homme. Là, ils sont pas tous parce que t'as capté, je les rock beaucoup. Alors, moi je fais une petite parenthèse là-dessus. Je tiens à dire que grâce à Mathias, il m'a fait kiffer Jaded London. Franchement, il m'a fait connaître. C'est une dinguerie. Franchement, il y a des. C'est pour les pantalons, c'est incroyable. Ouais. Et j'en ai un là. Bah, j'ai le sweat les flammes là. Fais-nous une petite sélection de trois pantalons. Il est beau, hein. Trois pantalons, ça, les femmes adorent. Non, les gens, je sais pas pourquoi, me disent toujours qu'il est dingue. C'est réel, hein. Il est fou, hein. C'est réel, à chaque fois que je le porte, je reçois des DM, même de mes potes encore qui me l'ont déjà dit, ils me disent, c'est trop stylé. Donc il y a celui-là, ça c'est clairement dingue. C'est incroyable, hein. Carhartt côtelé là. Il est magnifique. Il y en a un, puis il y en a deux. Sale Mathias, il voit un truc qu'il paye, il achète toutes les couleurs. Un Carhartt comme ça coûte combien à peu près? Bah 100 balles. 100 balles? Ouais.
Disait la malle. Mais en vrai, c'est de la qualité. Ou pas? C'est incroyable. Ok, bon, ça va. Tu le mets, gros, t'es dans un petit cocon. Ça va. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis que là, t'accumules tous les pantalons que t'as derrière toi, le prix. Il est pas le... Ah bah. Après, ouais, que tu vois, on va pas se mentir, t'as un petit budget, hein. T'as un beau budget en termes de sneakers, sap et tout, là. Hein. Surtout que j'ai tout payé en retail. Donc... Bon, en tout cas, voilà la petite disposition de pantalon. Pour le coup, il est vraiment équipé, frère. Quand je vous dis. Ah, attends, je sais. Il y a 50 pantalons. Moi, je tiens à dire. Et ça, pour moi, c'est un item incroyable. Sponso Gap, franchement, Mathias, moi, j'ai rien à dire là-dessus. T'as un bon. Je l'avais mis de côté, je vous l'ai ressorti juste pour vous. Je savais qu'il est là. Il est incroyable. Moi, je sais qu'il y a un truc que t'aimes bien. Ouais. Ça le kiffe. Elle est bien cette sacoche. Elle est belle, hein. Et ils viennent de la sortir en bleu foncé. Merde, j'aurais envoyé un message, j'aurais dit je la veux. C'est quoi comme marque, alors, juste? C'est A3B, c'est une marque sur Instagram. Pareil que j'ai. Gros, je tombe sur le truc, frère. Mais et frère, moi ça me fait penser au sacoche Goyard. Goyard. Oui, c'est ça que j'allais dire. Voilà. C'est quand je l'ai vu arriver, je croyais que c'était une Goyard. Non, non, non. 6000 euros. Une petite comme ça, c'est 1500 une Goyard. Elle est bien, elle est pas trop grosse et tout. Mais ce qui est bien, c'est que Mathias sort des bonnes références en termes de ça. C'est de marque et tout, c'est lourd. Des jeunes marques. Qui ouais, est... carrément. Là, je suis sur des trucs à 3000 abonnés, tu vois, j'hésite même pas à commander, je commande. C'est la vidéo, cool. Tu sais, des fois, c'est des commandes par message privé, carrément. La vidéo, je commande. Je m'en fous, ils me disent, oh, bah, tu sais, ils m'envoient des petits messages, genre, il y a 10 euros de frais de port ici, bah, je te les envoie. Ouais, je reçois cool. Le truc, déjà, le colis, il est bien mieux packagé que. Ah, bah, ça, bah ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais. Franchement, les jeunes marques, ils font beaucoup plus un taf sur les colis que. Bah, regarde, par exemple, ils soignent leurs clients. Moi, quand j'envoie mes colis, regarde, je suis là, j'envoie une dédicace avec ma signature, j'envoie des trucs, des cadeaux, des fois. T'as raison. Je fais attention, tu vois, je fidélise ma clientèle, tu vois. C'est important, c'est important. Ça va, frère. La collection est vraiment belle. Fais une petite pub. Abonnez-vous à Mathias, l'influenceur de mon influenceur préféré. Oh là là. Full Cernucci, j'ai kiffé cette marque. C'est quoi, c'est une marque qui sort d'où? D'Angleterre. Et en gros, ils sponsorisent beaucoup les mecs qui sont dans le foot et tout. Bon, celle-là. Ils m'ont envoyé un code promo le jour que j'ai utilisé. Et celle-là, en fait, je l'ai tellement mise que, en gros, normalement, c'est pas censé rouiller, mais elle a rouillé. C'est quoi, comme matériau? C'est donc du coup du. Bah, c'est de l'argent plaqué, c'est bien, hein. C'est mais, de l'argent plaqué. En gros, de l'argent. Ça fait très. Vous savez, la drill anglaise. C'est ouais, exactement, c'est ça, exactement ça, mais exactement. Je kiffe. Et bon, celle-là, je la mettais avant, mais bon, je l'ai vraiment beaucoup mise, même en vélo, donc du coup, j'ai transpiré avec, donc elle a pas kiffé. Mais en gros, genre, tous les jams et tout, j'ai kiffé. Et ça, c'est, par exemple, celle-là vaut 350. D'accord. Ça vaut. Ça vaut... C'est certi, bon, le petit... Celui-là, je le kiffe. Celui-là, je le kiffe. Mais surtout que moi, j'ai l'impression. Oula, j'ai l'impression, on le voit de plus en plus, ce genre de. Ce genre de modèle, ouais. Ce genre de modèle et tout. Ouais. Et il y a ça, il y a les bagues, mais j'en ai perdu une. Ah oui, c'est vraiment ta marque de. Ah, de tous mes trucs, je les prends sur ça parce que j'ai confiance en eux. D'accord. Et tout. Ah, vas-y, allez, vas-y. Ouais, ça, là, faut flex. Ah là là. Attends. Mais attends, frère, la matière. C'est quoi? Je pensais que c'était tout en métal, moi. Bah non. C'est en plastique. Ouais, ils ont changé. Putain. Parce qu'en fait, tu peux en demander si tu les payes. Tu peux en demander? Non, faut payer. Ah oui, oui. Non, ok, j'ai deux questions. Premièrement, si tu devais garder qu'une seule paire pour porter tous les jours. Il l'a dit, je pense. Comme la... celle-là. Ah ouais? Ah ouais? Non, pas le droit à la Air Force. Pas le droit à la Air Force. Mais du coup, je pense la Syracuse. Tous les jours en orange, frère. T'es un baiser, pata black, il a raison. Pata black. Tous les jours en pata black. Pata black, et si tu me parles de confort, la New Balance. Ah ouais. Si tu me parles en style, la Jordan 4 Firehead. Voilà. Moi, j'aurais dit la Curry. T'aurais dit Curry, toi, tous les jours? Une Curry. Curry tous les jours? Ouais. En vrai, Curry tous les jours, ça passe. Curry tous les jours, ça passe. Mais Blueprint. Mais parce que tu la veux. Mais parce que tu la veux. Non, parce que pour moi, tous les jours, je peux apporter ça. Achète-la, genou. Tous les jours, je peux apporter ça. De ouf, achète. Achète. En 45, ça, c'est aberrant. Et puis voilà, les gars, les gars qui aiment le vélo et qui veulent des petites sacoches bike life. Bah oui, de toute façon, les gars, n'hésitez pas. Et bah, vous en aurez pas. C'est avec qui je roule, mais ça a tellement bien marché que la pu. Aïe aïe aïe. Bah bon, on peut pas dire que c'est triste. Que oui, bah oui, c'est sûr. On attend, je fais un petit plan sur les blazers en fouille. Et le petit tapis qui vient d'où? Le petit tapis. Malheureusement, c'est pas en vrai, mais c'est normal. Bah heureusement que c'est pas en vrai. Ouais, je crois qu'il vaut 2000, hein. Oh, c'est pas cher, hein. Il est mort, j'ai le blanc. C'est pas cher. Mais par contre, comme ça, il est. Franchement. Ah, mais de toute façon, c'est parfait. La taille, t'as raison. Dans ce cas, hein. Mon chien s'est allongé dessus, il a kiffé. Non, mais tu m'étonnes. Ah, c'est validé par. C'est validé par Tokyo. Franchement, que cette vidéo vous aura plu, les loulous. Ouais. Merci, Mathias, bien sûr. De nous avoir invités dans son showroom privé avec ses paires. Bah, prochaine fois, vous revenez. Il y aura des nouvelles paires. 10 000 euros de paires en plus, mais tranquille. Tu me les offres. Ouais, on va sponsoriser Mathias. Ah, ce serait beau, hein. Et puis voilà, les gars. On espère que la petite vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe.